Est-ce que dans cette ordonnance, il y a la protection de certaines compagnies et de certaines Ah, personnalités? bien sûr que oui. Expliquez-nous. C'est une ordonnance par laquelle M. Abel, le juge instructeur Ramansi Taximé, a bel et bien protégé des personnes et morales, et à savoir Kofeneur et Enersa, El Messen, les protéger. Attention, l'éclair, oui. Est-ce que citer quelques noms Oui. conseillers de l'ancienne autorité? Non, il n'est pas tellement chita Ok, sous sous. nos personnes et physique, yo, Ok, mais elle plus bon. chita sous personne et morale. Et le clair, en disant clairement, et il faut tout en les renvoyant hors des liens de l'inculpation pour faute d'indices graves et suffisants. Ça, c'est une contradiction qu'un pile avocat, un pile juriste commentait. Maintenant, après cette contradiction, est-ce que le magistrat ne pouvait pas demander à la Cour supérieure des comptes pour qu'il prenne décision qu'il prend depuis longtemps Non, campez la là. question Campez à là. débat ou Campez là. qui se... au Campagne. lieu de dessaisir de au lieu de camper instruction? Campagne, c'est comme si vous étiez dans ma tête. Ouais, on t'a posé question ça. Tendez, campagne, moi, nos paroles. Il est précisé dans la Constitution, dans tout petit béaba, que gagne trois pouvoirs. Qu'on n'a pas le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Ouais. Même si en France, je ne veux dire, font débat, il y a ces fonds décantation entre des affaires pouvoir là et autorité. Je dis non, bah, pouvoir judiciaire. Bah, judiciaire là, pas pouvoir encore, ça, c'est autorité. Vous comprenez ce qui s'est passé? Judiciaire, pas qu'il y ait un pouvoir, un dossier rivé, l'en mêle, pour le dire que, attention, ce n'est pas n'importe quel juge, non, c'est le juge instructeur. Juge instructeur qui peut s'attribuer le droit de faire appel à des enquêteurs experts, pas qu'on est, qui pour venir éclairer le cas de question. C'est même juge instructeur, ça encore, qui nous n'ont pas tant de bagailles, ça. Même juge instructeur. Et attention, son dossier pendant, depuis approximativement trois l'année, dossier pendant. Bonne question, mon a posé. Pour Alors, juste pour la après que. précision, est-ce que parmi pouvoir discrétionnaire que juge d'instruction a gagné, il a mené un dossier, il a enquêté son dossier, il a instruit un dossier, est-ce qu'il n'est pas capable lui-même décider camper sous instruction? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Bamdou. Où est corruption, hein? Sont infractions qui sont différentes d'un paquet l'autre infraction. Corruption. Hein? Et ce n'est pas sans raison qu'il faut tout confrère prétendre clairement. Et corruption, c'est un crime dissimulé. Bandou et campagne. Ou bien doit faire appel à toute institution qui est là pour mener enquête. Yo fini et yo pas qu'à Edo déceler vérité, la stratégie méchante qui était utilisée pour te arriver dépatcher à la Jean-Pétro-Caribéa. Alors, si vous pouvez mettre bonsoir, Président Jean, donc nos présents pour ne pas quitter trop de temps passé, Non, monsieur. Là, on m'a quitté le débat, continuer, m'a suivre. Et Bandou. au moment opportun, moi-même, Très bien, plaisir. question que vous me posez, on m'a Très bien. posé. Bandou et campagne. Bandou. On va montrer en profondeur méchanceté Ramansi Taximé dans le cadre de ce dossier. Ou informe, ou pas oublier dossier ce général-là, ou pas oublier dossier massacre la Saline. Non. Tous ces dossiers sont déjà pendants au niveau du cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Si je ne me trompe pas, c'est le juge Chavanne Étienne qui était en charge de l'instruction de ce dossier. Principal, quel monde qui était impliqué, yo dit que tu es impliqué. Le massacre la Saline, Fednel Monchery, Pierre-Richard Duplan. Ils constituent avocat. Les fins constituent avocat, qui ça avocat fait? Avocat entamé recours en dessaisissement par devant la Cour de cassation. Pourquoi me sauve les campagnes? Juge instructeur, ça, l'on y recevoir acte en dessaisissement, les camper. Le sursoir sous instruction, pas fait rien encore. Et Gonzan, il a parlé à l'autre côté, il dit, magistrat, pas fait rien encore dans le dossier. Il dit, non, je compte ça la loi dit. En tant que magistrat, je m'applique ça la loi dit.
puisque on partit dans le procès qui entame recours en dessaisissement, on pas qu'à courir aller. Même bagarre a été fait tout dans le dossier sogénère là. Son bail. Et attention, je vais vous donner la référence. Le législateur le dit très clairement à travers l'arrêt du 18 juin 1860. Qu'est-ce qu'il dit à travers cet arrêt? Lido, dès qu'une partie exerce un recours en dessaisissement par devant la Cour de cassation, le juge est tenu de sursoir à l'instruction. Le juge a décampé. Parce que, au point d'après les recours en dessaisissement, c'est comme sous ces juges. Et puis, on a mené instruction dossier. On connaît l'argent dans le monde. On connaît ou proche l'autre partie. On connaît l'autre partie acheté. Mais si mal devant juge, si mal devant cour de cassation, on dit cour de cassation, juge ça, il n'est pas inspiré en confiance. Son vol est lié. Il a l'argent dans le monde. Eh bien, le législateur prévoit que juge ça supposé camper jusqu'à ce que la cour de cassation parvienne à rendre son arrêt. C'est sa droit. Mais c'est une question de bon sens tout. Bamdou, bon, où sont les juges? Où pas gagner l'argent dans le monde? Où pas gagner intérêt particulier? Il n'y a pas bon qui choye. Bon parti dans le procès a, qui doit consacrer le pas faire confiance. Si pas gagner intérêt vrai, premier réflexe, ou, même si la loi pas dit, c'est camper, oui. Bon, moi, bon, là, ou dans le cabinet, dans l'année 2021, ça, nous étant débarrassé, retirer dans le cabinet 10 dossiers. Pourquoi? Très bien. C'est 10 clients par la réo, même pas comprendre l'expression visage. Yo. C'est comme si moi, j'ai une petite méfiance. Par le fait que je décèle au minimum de méfiance dans le discours, yo, dans l'expression visage, je me remets le dossier. Yo. Donc, comment ça veut dire? Ça veut dire, un juge qui respecte tête, li, un juge qui s'engage à préserver l'honorabilité de la magistrature, n'importe qui soupçon le temps de, s'il respecte tête, lui, il fait pour à l'école. Moi, parce que c'est aussi facile, il y a des dossiers qui sont très importants pour la République, et donc on juge, instruit dossier. Hein. Est-ce qu'on simple soupçon, t'as qu'à faire l'obliger à abandonner sous prétexte que c'est honnêteté la mettre en jeu? Est-ce que, pas gain de dossier, juge là, il doit décider lui-même, continuer à instruire? Parce que il sentit la utile la République. Là, nous parlons d'un simple soupçon, non? Nous avions déjà demandé au juge instructeur Ramon Sitaximé de se déporter. Il ne parlait. Nous faisons ni. Et pas écrit ni à l'oral. Nous disons ça, il n'est pas campé. Et c'est finalement, oui, nous avons entamé recours en dessaisissement. Ou elle pas les camper. Il n'est pas les camper. Non, ça sont des exemples qui montrent que monsieur a un intérêt particulier. Nous entamons, nous faisons ça la loi mandée. Monsieur dit non, pas obéir. Bon, nous. Et depuis le 5 février 2020, il était en ordonnance comme ça. Côté le t'est attribué à citoyens, citoyennes, ça, qui t'es porté plainte et constitué au parti civil et la qualité de dénonciateur. Nous t'es interjeté appel de ordonnance ça. Et même ça tout, ordonnance ça, là, nous interjeté appel de ordonnance ça. Et il ne faut pas oublier les deux effets et d'appel. L'appel a un effet suspensif et un effet dévolutif. L'effet suspensif, on décide en sortie contre, on ordonne en sortie contre, de pour qu'on en fait appel de décision ça ou bien de ordonnance ça, eh bien jusqu'à ce que coup d'appel rende arrêt, bagaille ça ordonnance ça pas qu'à exécuter. C'est ça l'effet suspensif de l'appel. Et là dit ça nous bloque ça. Ça. Et pas gain banque, pas gain institution qui a osé dégeler fond personne morale ça ou compagnie ça, parce que nous avons interjeté appel de cette ordonnance. Et en ce qui a trait à
effet dévolutif là qu'on a et tout, et affaire dans toute son intégralité qui portait par devant la cour d'appel et que la cour d'appel l'a gagné pour le prononcer ni sous fond ni sous forme la et considérer exception toute bagaille. C'est ça l'effet dévolutif. En fait, nous comprenons bien, cher maître, dans le dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier sensible. En plus, le monde t'a aimé qu'on est qui politico-juridique. Dépatia. Donc, il a posé question. Maintenant, problème qui arrive là, je dis, hein, nous ne pas éterniser sous lui, puisque l'étape trop facile, si chaque monde dit un problème, et puis un juge qui a instruit affaire, hein, et avocat fait une demande pour le dire, il n'a pas fait juger en confiance. Et puis, juge en quitté le dossier. Hein. Qu'on y a choisi un autre juge. Donc, finalement, n'importe qui moun à un moment donné capable d'avoir un problème avec la République, et puis, il n'y a pas qu'à jouer un juge pour instruire affaire dans la mesure où il y a une forme de stratégie que l'avocat a utilisé. À chaque fois où il met un juge, et puis il dit ah, il y a l'homme, juste ça, il y a l'argent en main, juste ça, il est corrompu, nous pas d'accord. Donc, finalement, comment ça a fait? Papa, alors, je vous ai donné la référence, oui. M'a terminé. Maintenant, même le gain référence, mais est-ce que nous capables d'utiliser à chaque fois, est-ce que le pas gagné? Est-ce que pas gagné de balise parce qu'il est trop facile à chaque avocat? Parce que ou d'accord que deux trois monde qui doit aller là dans une zone volée et puis on justice sous dossier on dit ah m'pas fait juste ça confiance et puis finalement t'es monde dehors ou bien caille monde dans monde prend. Donc maintenant quelles sont les balises par rapport à demande ça que avocat ou café? Non et campagne, vous êtes trop bien formé. M'pas d'accord avec des un petit bagage sur dit à là. L'autre dit comme ça que même si il y a une référence, je ne suis pas d'accord avec vous. En tant qu'intellectuel, en tant que journaliste raffiné. Gain pile ba on d'accord avec son Dieu mais celle ça me pas d'accord avec c'est l'ordi même si gain référence là non mais balise ouais l'intellectuel se respectant ouais l'intellectuel qui a effectivement fait l'acquisition d'une culture scientifique dans toute situation généralement quelconque il est tenu de s'accrocher aux références. Moi, appelez-moi, j'ai un professeur, Pierre-Marie Michel, monsieur Mouri, que la terre lui soit légère. J'ai dit, il m'a dit, mais on a comment ça passé? Ou est avocat, ou est juge? Moun sa ou sou trompe yo, c'est yo glouk, et yo qui vle ou trompe yo. Parce que doit clair. Et ça le dit, ya, c'est comme ça, nous, on ti jan rejoignent un philosophe français, et Descartes. Descartes qui t'a fait mettre philosophie avec mathématiques là sous même pied d'égalité. Rappelons les Descartes dit qu'on a que ne recevoir jamais aucune chose pour vrai que je ne la connaisse évidemment être telle. Et là dit pas qu'on rien de vous pas de preuve. De vous pas de référence de pas pas qui peut mon cap parler. Ouais, mais pas, tu es d'accord avec moi que le droit n'est pas statique. Sauf les dit pas là. Parce que on peut évoluer. Maintenant, tu te réfères à 1960, et c'est là que je te dis, est-ce qu'il n'y a pas des balises? Parce que pendant qu'on a évolué dans le droit, est-ce ou FEO à 1960, est-ce que quelque part, il n'y a pas limité de maintenant pour dire que, pour un simple, baronné, parce que si vous avez un ensemble d'avocats, ou plusieurs exemples de tout à l'heure, est-ce que chaque avocat capable seulement dit, lui référer à texte de loi 1861, et il dit juste ça, gen kòb nan men, juste ça, nan volé nous pas d'accord. Et il a changé sous combien de fois le café? Il faut que balise. Bien avocat. Sinon. Bien évidemment. Sinon. Chaque avocat ne le ferait jamais. D'accord avec moi. Et parce que il y a effectivement des juges qui inspirent mon confiance. Il y a des juges qui au-dessus des mêlés. D'accord avec moi. Il y a monde qui fait respect. Et bam dou yon l'autre bail. Et Gontiba, nous pas discuter sur les noms et campagne. Campagne, c'est vrai, oui. Les références sont importantes. Les références sont de grande envergure. Et pas gain. Où est la référence là?
C'est un facteur nous permettant d'établir la décantation entre la science et l'apparence. Pourquoi c'est l'autre là qui dit ça? Pourquoi c'est Karl Marx qui m'a dit ça? Okay. Ouais, on est l'homme qui fait science. L'homme n'est pas induit facilement en erreur. Il faut dégager au coup, mettre Jean-Jacques, souvent pour établir la décantation entre essence et apparence. Et puis, et toujours garder pour eux comment on peut rester accroché à référence. Donc, je ne sais pas qu'on a besoin d'arrêter considérablement sur l'aspect ça. Et que c'est la loi qui dit que dès qu'on partit, dit un juge, que il n'y a pas qu'on en lit et que le recours en dessaisissement est entamé, le juge a pour devoir d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Et moi, on parle d'exemple. Nous avons un dossier, nous avons un exemple et dossier Massacre La Saline, nous avons un exemple et dossier Sogénère et l'autre encore. Et forme nous bien que ça, pas grand pilage, et ordonnant ça, il va prendre les pièces côté, ouais, puisque j'aime ce doula-là, non seulement nous faire recours en dessaisissement, mais aussi nous interjeter appel de toute ordonnance que le juge-là rend déjà. Mais comment répondre-nous? Amoual Dola, il n'y a pas tout le monde qui a compris, mais son livret. Ouais, dossier ça, je ne veux dire, dans cité, dans pays, c'est dossier qui va être plus tête chargée. Dossier pétro-caribéen. Tout massacre, où tu as gagné dans différents pays, fondamentalement, et dossier pétro-caribéen à la base. Ouais, est-ce qu'on a dit, le gang qui a fait des batailles par-ci par-là, fondamentalement, c'est dossier pétro-caribéen à la base. Ou est Ankola, ou est insécurité, kidnapping, fondamentalement gagné dossier pétro-caribéen à la base. C'est ça que fait, nous-mêmes nous comprenons tout. Ou est avenu dossier pétro-caribéen, il dépend considérablement de direction que la bataille politique la prend dans le cas de la. Si pas de dossier pétro-caribéen, si pas de assassinat Montferrier d'Orval, si pas de dossier d'Hermalog, si pas de assassinat et pauvre monde achiré dans le quartier défavorisé. Par exemple, tout tumulte, toute guerre, toute bataille, toute insécurité, toute kidnapping dans notre pays. C'est une stratégie que vous utilisez. Une stratégie pour vous voir comment, et dans quatre batailles politiques, vous avez fait transition. Bah, vous avez allié. Parce que, attention, attention. Le procès pétro-caribé ne se réalisera jamais tant que Jovenel Moïse se trouvera au Palais National. Prêt! Jamais. C'est ça que le journal Moïse actuellement l'a fait tout ça le capable. Tout ça le capable. Pour le voir comment il était capable de pouvoir le transférer. Soit Baye Matel, Olivier Matel, il ne connaît pas. Il y a un autre délinquant qui a acheté. Elle connaît que c'est la seule possibilité qui offre à lui-même pour qu'il ne prenne pas code dans ça. Dans ce là. Parce que, Bamdou, et Bondo, c'est une cage avec elle. Son corps Venezuela te prête pour nous faire autant l'air ou ta terre, ou sous la mer. Son corps Venezuela te prête pour nous mettre l'électricité dans le pays. Son corps Venezuela te prête pour nous faire l'hôpital par-ci par-là. Son corps Venezuela te prête pour nous faire l'école par-ci par-là. Mais côté corps pétro-caribé, côté elle. Et Bamdou, moi-même, en ma qualité d'avocat, je suis là pour me respecter. Pour respecter les règles procédures. Et nous sommes contre la contradiction qui est dans ça. Nous sommes forts qu'on est clairement que le bon, magistrat à mon site, ça, il n'est pas comporté l'encadre. En rendant cette ordonnance, il n'est pas fait preuve de respect de l'honorabilité de la magistrature. Non, pas fait. Et pas oublier, dernièrement, me dit. Et c'est vrai, beaucoup de gens nous ont démenti. Dans le pouvoir judiciaire haïtien, il y a trois catégories de magistrats. Et bien important, et compagnie, ça me voit un gros bagarre, papa. Il y a trois catégories de magistrats dans le système judiciaire haïtien. Un, la première catégorie, c'est celle dans laquelle se trouvent des magistrats qui sont au service du pouvoir. Ce sont des magistrats qui ne se respectent pas. Ce sont des magistrats qui n'ont rien à voir avec l'honorabilité de la magistrature. C'est des magistrats qui sont en mission. Exemple, Ramon Sitaximé. Il est en mission.
Sol a fait à l'entrée dans la mission, dans le travail. Sol produit là. La deuxième catégorie, c'est celle dans laquelle se trouvent des magistrats qui ne sont pas directement au service du pouvoir. Mais attention, par manque de caractère, par le fait qu'ils s'accrochent inébranlablement à leur fonction, par le fait qu'ils souhaitent que leur mandat se renouvelle, ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Et bien, à partir de ce moment-là, tout, on va venir comporter comme des magistrats faisant partie de la première catégorie. Et là, des magistrats qui ont été alors, en pile là-dedans, ce sont des magistrats, bien évidemment, qui sont en difficulté financière. Quand je cherche qui choye, tiso, je dis, je vais le faire du job, je vais quitter l'exécutif, la renouveler, madame, je vais plier. Ça existe, c'est où on peut y mettre là. Et la troisième catégorie, c'est celle dans laquelle se trouvent des magistrats qui se respectent, des magistrats qui se sont toujours engagés à préserver l'honorabilité de la magistrature. Des magistrats qui parlent de petit poste et bâti, madame, ils sont grands. Et pas magistrats qui achètent des petits os, qui appuient. Ils connaissent avant tout que c'est là, au fait. C'est et là ça où va dit. Durer combien de temps? Ces trois catégories. C'est dans le catégories? Système judiciaire. Avec combien, seulement Jovenel Moïse, l'opposition prend le pouvoir, donc monde qui était accroché à pouvoir, Jovenel Moïse, après accroché à pouvoir et opposition apprend, le SAIO a pris mission. Deuxième catégorie en tout, puisque c'est opposition pour le pouvoir, il y a pour obligé de plier ou pour renouveler le mandat. Et puis l'autre troisième catégorie, un juge qui est estomac ou bien droite, qui garde le manger. Donc il y a toujours trois catégories ça, ou bien il n'y a pas pétissé avec l'opposition après le pouvoir. Wap menem sous opposition. L'opposition au pouvoir. Yo dit deux nèg yo manger l'argent. Ni nèg qui nan pouvoir ni nèg qui nan opposition. Non, elle va pas dire. Comme opposition. Ça c'est un discours de diversion. C'est un discours de diversion. Ah c'est vrai? Ah oui, oui. Ah non, pas de connaître, c'est pas nèg nan opposition qui manger. Bando, ça c'est une considération de nature idéaliste. Yo prend nous tout qui là, nous sommes tous responsables. À partir du moment que nous admettons que nous sommes tous responsables, pas une pièce monde qui est coupable. Par contre, si vous ressemblez de là, ils ont fait ça tout, ils ont société haïtienne. Et même gens, comme un monde, depuis petit, ils ont tiré sous tête dans la manifestation. Depuis petit, m'a défendu l'état de droit. Depuis petit, m'a défendu la démocratie. Depuis petit, m'a dit non à la corruption. Regardez ta figure, moi. On extrême devant là, oui. Bon, comment on est. Tenez bien, mettre là. Malin université, on travaille, tout ça, on met là, et grâce à tout ça, c'est grâce à Sieur Froum. Comment on est pour laisser faire comprendre que moi, on parle de responsabilité. On te qu'a dit, l'en décrépitude de la société, ça, menti, mon cher. Moun qui responsable, la meyo. Nous connaissons. Donc, pas dire que. Pas dire que. Et tout le monde. Ouais. Pas pour le bien, ça, non, compagnie. Non, mais compagnie, pas dit ça, non. Et vous dites ça, et ça le dit. Compagnie d'opposition. Non, il dit opposition, au moins, dit tout le monde. Il va dire tout le monde. Il dit opposition. Question m'a demandé, est-ce qu'on va reconnaître que y a des gens qui sont en opposition, qui sont dans le pouvoir de transition privé, qui sont comme Pito Caribe dans le meyo? Gen moun te sou pouvoir préval là qui te gen kòb qui te passe nan men yo à tel point que les ou les madame Pierre lui en bas dans parlement li pote un album Steven Benoit un album photo et depuis les ça l'agence a te commencé bouler te gen 197 millions après ça te gen 53 millions ou 63 millions ça te fait 160 millions donc te gen en pile kòb donc question campagne nan. Il explique que l'opposition a pris le pouvoir. Est-ce que Mounsa aujourd'hui avec l'opposition, qui est au Caraïbes, cette fois-ci, n'a pas mis tout dans le rapport pour nous pas dire tout justement, c'est Mounsa qui est au pouvoir, qui a mangé l'argent. C'est vous-même qui mettez tout le monde là-dedans. Vous ne pas mettre tout, vous ne mettez tout le monde. Quand vous prenez l'opposition, donc on a même fort répondre pour dire, est-ce que l'opposition est vrai, pas de Mounsa qui a mangé l'argent au Caraïbes, qui est là sous privé, qui est là sous privé. Si vous mangez, ça n'a pas fait. Malheureusement, vous n'avez pas donné d'exemple. Ou d'accord même, ou pas dire. Comment donner d'exemple? Vous pouvez en donner. Non, ne vous en faites pas. Vous pouvez en donner. Pardon? Vous pouvez en donner. Moi-même? Si. Si je ne connais. Non, qui exemple vous besoin? Pardon? Qui exemple vous besoin? Exemple, on a un monde qui était
qui se serait impliqué dans la dilapidation du fonds Petrocar, ou va on gagne non? Ou les rapports? Ou les rapports? Pardon? Ou les rapports? Ah mon cher. Ah ben sous les rapports. Non, pas pour nous qui nous clarons les rapports. Ah oui. Il y a trois rapports dans le cabinet. Laurent Salvador Lamotte, JDVD, Stéphanie Balmy-Villouin, Jean-Max Belrive, Jovenel Moïse, et l'autre encore. Et l'autre encore, on va dire. Nous pouvons pas gouvernement qu'on y a pas. Et ça seulement qui gagne à voir? Nous pouvons pas pouvoir qu'on y a. Bon, qui l'ont en position et qui l'ont rapport. Non mais regardez, si bon, Jean-Abdi là, si Jean-Abdi là, qu'on s'allie, Jean-Abdi là, trois catégories juridiques là, a toujours gagné. C'est-à-dire que le juge qui va venir cap sur le dossier, après il va venir couvrir pour tout le monde qui est dans le même groupe avec eux. Et puis il va y l'autre groupe qui va gonfler dans l'opposition. Même il y a aujourd'hui, il va commencer à plaindre, il va dire mes voleurs. Et bien au fait, son bon voleur qui est dans tout camp. Et chaque voleur qui vient, il va courir pour le groupe voleur pareil. Nous ne pouvons pas faire ça, non? Je ne comprends pas, ça, on dit pas là. Ou t'en démettre là? Mais je comprends. Je vais poser une question en tant que journaliste. Oui, mais voilà. Mais ça, c'est moi-même, en ma qualité d'avocat, m'oblige à parler en vertu de ça, je viens dans le rapport. Attention, c'est coup des contrôles, tu te dis, mais qui est-ce qui t'a volé là, dans Petrocaribe? Moi, non, mettre là. Moi-même, ça m'y est. Bon, on va faire l'institution qui rend le rapport. Moi-même, attention, avant la production de ces rapports, comme si vous voulez, je ne vais pas parler de Petrocaribe, ça, non, papa. C'est l'institution qui dit, on paquet de rapports, on paquet d'institution, ils rend un, deux, trois rapports, ils dit, mais c'est un tel. C'est à partir de ce moment-là que moi, je commence à fixer position sous base. Même plainte que nous déposons dans le cabinet d'instruction du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, c'est sous base rapport, oui. Si nous n'avons pas de rapport, nous ne pouvons pas porter plainte en bas, nous pas d'accord avec nous. Donc, moi-même, si mon nom n'a pas un rapport, pas une pièce rapport qui dit mais qu'est-ce qui volait, moi je ne vais pas pour mon aller tant en action par devant la justice contre moi, soit pour une diffamation, ou bien je ne vais pas citer nos monde et je vais me là. Même pas c'est comme avocat tout qu'on est rapport juridico-politique. Ou pas qu'il y ait un aspect juridique seulement dans le rapport. Non, c'est un rapport avec un aspect politique là-dedans. Non, mais où sont expliqués là que juge là, la travaille pour un groupe moun et ça fait décision pour elle. Et qu'on s'en prend. C'est-à-dire que le rapport a un penchant, une couleur politique là-dedans. Qu'on a fait prendre un aspect politique là-dedans. Le rapport n'a pas été produit par le juge, non? Le rapport, non? Les trois tranches ont été produites par la Cour des comptes. Oui, mais le rapport a produit, mais son juge qui a pris une ordonnance. Non. Il a toujours un juge. Qui juge? Mais Cour des comptes. Il a toujours un juge. Il a toujours un juge. Et si ça a parlé dans ce sens, groupe monde, il a dit juge ça, tel groupe achetel. Parce que pourquoi j'aime connaître un juge qui a une ordonnance ici? Pour quelque part, il n'a pas dit juge ça, c'est ici là, non? Bon, moi, j'étais était dans. Bon, bien que je ne pas comprendre, par contre, c'est d'enquêteur. Et Cour des comptes, tu as parlé, m'a bien saisi. Non, on n'a pas parlé de juge d'instruction qui sous dossier, qui rend ordonnance, tant que Ramon Site, tant que Walsine. Ramon Site, tu comme ça. Oui, monsieur rend ordonnance et vous expliquez là tout problème qui gagne. Contradiction. Oui, vous expliquez tout problème qui gagne. Et enfin, vous concluez que monsieur travaille pour le groupe monde qui sous pouvoir. Oui, mais pas mon deal. Qui est-ce qui dit rapport? Non, l'aime pas mon deal. Vous faites dire ça. Mais comment vous pouvez dire là? Gain, est-ce que des indices, c'est pas indice, non? Gain des éléments qui montrent effectivement que monsieur pas comporté en tant que juge neutre dans le cadre dossier. Nous autres montrons différents recours que nous intentons contre lui. Nous autres montrons que nous autres doumé ça la loi dit. La loi d'un juge tend dans le cadre du recours que juge là supposé tendre. Bon exemple paquet de dossier. Qui pendant tout presque la même période. Est-ce que tu as un lieu automatique ou bien? Automatique. Non. Oh, on va comprendre ça, mon cher. Ndou Chavanetienne, tu es dans le dossier massacre. On va dossier massacre la saline, non? Ndou Chavanetienne, tu es là-dedans. On va prendre des exemples, Mando, légalement salié. Rapidement, automatiquement. Dès que le juge reçoit et l'acte en dessaisissement, il a pour devoir de sursoir, faut le temps. De sursoir. Oui. Et s'il pas obtempéré? Pardon? Ben, il va vagabondage, mon cher. Comment il va obtempéré? Oh, bah, il va pas avoir autant de. Et la loi dit. Oui, et puis, on a ça, la loi dit, vous faites compter. Pardon?
Si pas tempéré, c'est sûr que bon recours. Ça alors du café pour lui. On va porter plainte contre juge là. Est-ce que vous d'accord même? On va porter plainte contre lui. On va porter plainte contre juge. Qui côté? En CSPJ là. CSPJ. Pour qui ça nous va porter plainte contre monsieur? Nous va porter plainte contre lui. Attendez, bon nous parle. Oui. Non seulement nous avons déjà déposé pas mal de plaintes là en CSPJ, mais soit en pratique, soit en réaliste. CSPJ, président et cour de cassation, c'est l'équipe d'office président CSPJ. Hein. Mm-hmm. Oh, qui est-ce qui t'est nommé président et cour de cassation CSPJ hein? Bon, on connaît c'était pour dire que la terre lui soit légère. Mm-hmm. C'était René Sylvestre. Mm-hmm. Et pas, faut pas oublier tout, qui l'a été nommé. Mm-hmm. C'est Jovenel Moïse qui nommé et qui l'est. C'est immédiatement après publication première tranche rapport là. Mm-hmm. Faut que nous réalistes. Et monsieur Théroël, précisément en tête cour de cassation, c'est pour le TK à contrecarrer. Est-ce que vous savez passer du CSPJ? Non, mais ça me le dit oui. Nous déposons un paquet de plaintes, même dès qu'on est pertinemment que le CSPJ va faire rien. Parce que l'exécutif contrôle le CSPJ. Bon, ben, pour nous connaître. Nous vivons dans un pays côté pratiquement l'état de droit, ça n'existe pas. Pas oublier en résumé, l'état de droit, c'est que pas de pièces qui au-dessus de la loi. Et on n'a pas qui crase le pays à net, oui. Pas l'état de droit. C'est-à-dire que les gens qui ont la loi. Bon, nous, dernièrement, nous avons compte deux grands facteurs expliquant la grandeur des sociétés occidentales, la grandeur de la France, des États-Unis, ces affaires éducation avec état de droit. Tenez, ça m'a l'air, bon, pas qu'il me parle d'éducation, on parle d'état de droit. Son bel bagarre, papa. Le pays, peut-être tout le monde trouve en bas la loi. C'est un bel écrasé pays, oui. Son bel bagarre, l'on société, côté la loi, trouve au-dessus de tout le monde. Mais qui est responsable? Pardon? Qui est responsable? Qui est responsable? Oui. Ou voulez-vous qu'est-ce qui est responsable? Oui, bon, mando. Ramon c'est responsable. Ou voulez-vous qu'est-ce qui est responsable? Ramon c'est tout dit. Oh. Non, ma bon encore oui. Ma bon encore oui. Jovenel Moïse responsable. Depuis petit tout t'as dit à parler d'état de droit ici, il va jamais gagner. Non, moi des questions. On va pas dire c'est Ramon c'est responsable. Mais madame Bouguisa, madame Bouguisa. Qui est-ce qui est responsable? Oui. Tout le monde qui parle assumer devoir citoyen. Tout le monde qui contribue à saper la loi. Tout le monde qui prend plaisir à faire désordre dans la cité. Tout le monde qui prend plaisir à défendre ses intérêts particuliers. Tout le monde qui refuse la défense des intérêts supérieurs de la nation. Tout le monde qui parle, parce que comprenez bien, où est la Constitution à travers l'article 52-1. Au Conseil législatif, il dit mes devoirs, mes obligations, les citoyens. Un, faut instruire. Il nous faut instruire. C'est une obligation pour instruire. Pour aller à l'école pour instruire. Deux, faut respecter le drapeau pays. Trois, faut porter. Vous êtes tenu. Vous êtes obligé d'apporter de l'assistance à toute personne en danger. Vous n'avez pas l'obligation encore. Eh bien, à partir du moment qu'on ne peut pas faire devoir citoyen, eh bien, contribuer à l'encraser cité, ou contribuer à saper état de droit, ou contribuer à l'en mettre pays à côté de l'IA. Donc, vraiment, c'est taximé. En tant qu'on est, en tant qu'on est qui t'a doué là, pour ta contribuer à la distribution justice, pour ta camper là, pour le cas d'application, non mieux, et que c'est lui encore qui a violé la loi, non, je ne veux pas dire que monsieur n'a pas contribué à mettre le pays à l'Italie là. Donc, ce n'est pas on qui défend l'état de droit. Je ne dis pas contribuer, non, mais qui est-ce qui est responsable? Vous dites que responsable, je ne dis pas contribuer. Non, mais depuis le responsable, je ne vois pas le sens de la décrétation que vous essayez de faire. Oh, ben non, on n'est qu'à contribuer nos bagailles avec les responsables. Oh, qui est différent. On n'est qu'à contribuer nos bagailles. Oh, on est contribué. L'un n'est qu'à contribuer nos bagailles, il n'y a pas unique monde qui la donne. Mais là, dit le responsable, c'est-à-dire qu'il nous mette, oui, ça distribue. La décrétation n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, décrétation, la décrétation que vous essayez de faire n'a pas de sens dans le cadre de cette émission. Comme nous parlons. Où dit le n'est contribuer? Où dit contribuer à craser là? Et vous dites que je ne parle pas de responsabilité dans craser là? Oui.
Oui, ou dit le contribuer. S'il contribue, c'est sûr qu'il gagne pas de. Non, Donc, quand on est qui s'est dans le pays, presque tout le monde connaît. Donc, ça veut dire, les pays a mal marché. Quand on est qui s'est dans presque tout le monde connaît. Surtout au niveau système. Et ça me dit, si ça veut dire, c'est un grand paquet de grands qui sont tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Ça, c'est simple. Mais simple. Tout le monde doit parler, mais on connaît tout le monde. Comme si je disais, si son dossier là, mon gars dit, ah, il va arriver sous. Le monde est petit. Bon, oui, le monde est petit et Haïti. Ouais, Haïti, petit. Tout petit, hein? Tout le monde connaît, c'est comme tout le monde dans le pays. Mm-hmm. Maintenant, nous comprenons que le juge Aksime, peut-être monsieur Gon, pas de responsabilité, ou bien peut-être monsieur qui a péché tout par rapport à l'ordonnance du rendu. C'est homme de loi qui dit ça, ou homme de loi, et c'est tribunal qui. Et m'a dit statuer sur ça yo moi-même comme citoyen pour faire ça c'est tribunal pour qui fait le juge etc. Donc j'en va faire là donc peut-être gagne l'autre monde tout qui pas gagne même point de vue même approche avant yo ka vini tout yo vini yo discuter comprendre yo ba argument pa yo pour expliquer ça lié nous même nous juste là comme argumenter n'a essayé poser des questions pour nous comprendre. Maintenant pour se parler là de CSPJA donc nous t'ai ca saisir dans le cas où juge là pas tout obtempéré là nous demander pour le déporter le dossier c'est déporter le saisir oui de saisir de dossier maintenant li pas fait jodi a qui l'autre recours que nous gagne ou dit nous interjeter appel mais appel là tout c'est pas poser problème puis devant tout même genre et gomba me dit là me pensais que c'était intéressant on t'a fait décantation entre politique là avec juridique là par contre sur rappelo. Et nous toujours dit que le dossier ça est fondamentalement politico-juridique. Dossier ça. Un peu plus fort, cher. Et nous toujours dit que le dossier ça est fondamentalement politico-juridique. Et là, son dossier soit abordé seulement, son angle juridique ou qu'a fait fiasco. Ouais, il n'a pas jamais réalisé. Et c'est pour aborder à la fois ni sous angle politique là, ni sous angle juridique là. Et quand on dit que l'autre. Et recours qui l'autre s'en a fait encore. Pendant la parole, sous plan juridique, pour la matérialisation de ce procès, pas de trop gros bagaille, on est café, non? Attention, il faut nous clair. Et nous vivons dans un pays côté pratiquement, et droit, les pris en otage par politique là. Par contre, soit sur campagne, ça m'a dit là, très intéressant. Où en Haïti, toute bagaille, est contrôlé par la politique. Tout bagaille net. Et que. Donc, ça, c'est thèse de. Enfin, pas thèse de Guichardot, mais à un moment donné, Mkwelde a avancé avec mon argumentation pour dire que la politique est saisie par le doigt. Ou le doigt saisit la politique. C'est le doigt qui est saisi par la politique. Mais ouais, c'est pas la politique. Hein? Et c'est le doigt qui est saisi par la politique. C'est-à-dire, c'est le doigt qui prend en otage. C'est politique là qui prend droit en otage. C'est exactement ça, la politique est saisie. Non, le droit est saisi par la politique. Oui, le droit est saisi par la politique. Et tandis que. C'est pour dire que, bon, voilà, enfin, il y a problème. Et donc, comme le président de la République, les garants de bonne marche, toute institution, maintenant, la politique saisit le droit. Donc, nous, ensemble des décisions. Non, mais. Et l'IPA entaché de pièces et régularité, l'IPA entaché de pièces rationalité, non? Et pas gain pièce jouissance, non? Là, on dit comme ça que. Et politique là prend droit. En otage là. Oui, et attention, je... non, dans toute société. Je n'ai pas dit ça non plus. Sauf non, que, et pas même, non. Alors, comment on se dit là, vous trouvez que peut-être l'étape bon sous ta nuancé. Maintenant, dossier pétro-caribéen politico-juridique. Donc maintenant, comment éviter que y ait un dossier qui politico-juridique, que aux jeunes de juges qui font un travail juridique, qui n'a pas de mission politique là-dedans? Comment nous devons éviter ça pour nous permettre que le juge là rete dans sa affaire, le droit, sans pas besoin, parce que ouais, si dossier politique ou juridique, maintenant le juge l'a fait droit lui-même, si. Kounian, comment il peut éviter
aspect politique là pour ne pas recevoir un coup de fil ou bien l'autre dans le quiconque. Ah, ça c'est une bataille pour mener au niveau de système. Non? Et ce système là qui peut admettre différence entre différence au système. Yo. Ce système là, alors c'est là que nous même nous avons devoir. Ce système là, c'est une bataille pour nous mener, pour nous accepter, décanter. Et m'a dit juridique là, de politique là, et de toute l'autre bagaille encore. Mais tant que nous quittons la politique là primée sur toute bagaille, c'est-à-dire tant que nous pas bataille pour et primauté droit, tant que nous pas bataille pour que droit arrive à gagner primauté, arrive à contrôler toute bagaille, et nous avons toujours un chou ça. Et. Forme de bien, c'est une bataille côté gain des citoyens responsables. C'est son bataille qui matérialise, qui atterrit généralement côté gain des citoyens qui accepte, assume responsabilité. Yo. Mais tant que tout, et nous gagnons en Haïti, type de citoyens ça, yo, qui sont passifs et des citoyens qui n'ont pas reçu une formation, une éducation adéquate. Gen ça tout, ou gen doit recevoir une éducation et puis l'éducation pas adéquate, non? Ou d'accord même? Et gen ça que les éducation alliée dans tout, ou gen doit une éducation recevoir et puis l'éducation ça fait de ou même un zombie, oui. Donc nous besoin des citoyens qui pour côté n'a conféré une sorte d'éducation et qui a réveillé conscience, qui a montré que construction état de droit, construction démocratie, les supposés a fait chaque citoyen, ouais, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on a arrivé à contribuer à sa déclarer les primautés droits sous politique là. Mais tant que nous étions comme ça, ce type d'éducation ça gagne, ce type de citoyen ça gagne, on a toujours gagné des magistrats comme Ramon Taximé. Est-ce qu'on est capable de rappeler pour le grand public là, sur le plan juridique, côté juge Ramon Taximé violer la loi? 1, 2, 3, non, décision ça que le run pour montrer que décision, par contre, est illégale ou bourrée de irrégularité. Compagne, c'est une question à laquelle j'ai déjà en partie répondu. Donc, vous comprenez que son avocat a parlé, il tape toujours bien les mains, que 1, 2, 3 est bien cerné. Nous sommes montrés dans le dispositif ordonnant ça, il y a une contradiction. Nous disons que la procédure pénale haïtienne a fait ça, pas admise. Côté même juge là, ouais, m'te dou, m'apprend deux précisions le bail là. Côté le dou comme ça que, attendez bien, oui. Donc, comme dit déjà, ordonnons donc un sursis à la dite instruction en attendant l'accomplissement des formalités légales prévues en la matière. Ouais, elle dit, camper sur instruction. D'abord, c'est ça le dit là. Deux, puis bas. Monsieur, nous consacrons, ordonnons à toutes les institutions financières et bancaires établies sur tout le territoire national de dégeler tous les fonds par elles détenus au nom de la COFENER SA, rejoignant ainsi la NRSA et la LMSN et SA, Archivolt, GK Import Export, SA, Suntec, cela, Haïti, tout en les renvoyant hors des liens de l'inculpation. À son première irrégularité. Deux, nous sommes d'où, qui l'autre irrégularité, monsieur, causé encore dans le cadre dossier? Nous sommes montrant que par le fait que nous entamons recours en dessaisissement, juge là, tu dois étendre. Ok. Il n'a pas fait ça. Il parle dans les affaires cours de cassation avant, il parle dans les affaires recours, il parle dans les affaires recours en dessaisissement, lui-même, il a continué à faire travail. Okay. Ça, c'est une grosse irrégularité. Ça, c'est une grosse violation de la loi. Mais, j'aime dire, là, heureusement, nous faisons appel de tout le ça déjà, et okay. Nous espérons que le cours d'appel a fait travail et bien par rapport à juge là. Okay. Et, pas oublier, nous avons que, ordonnant ça, les camper en vertu de l'effet suspensif de l'appel, puisque l'interjeté appel, ça pas qu'à exécuter pour le moment. Oui, c'est ça, doit dire. Par contre, c'est d'accord avec même gens, ou l'on caille là, ou l'on caille ça là, bon jugement sorti contre le méthode, ouais, avocat
fait appel de jugement qui sorti contre moi pour mettre au dehors, et bien jugement ça pas qu'à mettre au dehors. Jusqu'à ce que coup d'appel dit ça le gain pour le dire. Donc nous pas fait ça et nous pas que gain banque cap nous pas que gain institution cap oser dégeler et font une compagnie ça. Et son dossier qui est intéressant, son dossier qui est important. Et nous qu'a dit que dossier ça l'a matérialisé. Le procès Petro-Caribe se réalisera. Et même s'il pas réalisé aujourd'hui, ce que le gouvernement. Pardon. Ce que le gouvernement. Les journaux pas là. Bon l'autre monde. Et l'autre monde nous aussi te. Nous te contente d'entendre Michel Cap dit nèg sous privé pour manger l'argent, nèg qui sous préval qui te manger l'argent, nèg sous Matéli, nèg sous Jovenel. Hein? Qui mange l'argent, beaucoup n'a qui groupe moun. Puis c'est moun yon et papi et tout côté ou dans tout camp. Qui groupe moun nous pense qu'a fait procès pour un procès équitable? Je ne comprends pas, non? Et comme ça, nous avons que. Vous ne pouvez pas comprendre, maintenant. Vous comprends très bien, mon cher. Vous ne pouvez pas comprendre. Par contre, si mes amis. Vous ne pas comprendre. C'est que par exemple, je dis là, procès n'est pas possible avec le président Jovenel Moïse. Je dis là. Parce que. Parce que, et jusqu'à ce que l'équité pouvoir procède, selon Jean expliqué, il n'est pas possible avec monsieur, parce que bon ensemble de monde dans PHT qui est dans le même caravel, non cité dans le rapport avec Caribé. Donc l'État estime la protéger. Oui. Mais comprenez bien, ce ne sont pas tous les Haïtiens, ce ne sont pas toutes les Haïtiennes, mes amis. Mm-hmm. Qui se sont impliqués dans oui non en qui avancé Kounier par exemple dans opposition le Jovenel pas là on t'a dit c'est 7 février 2022 le lendemain 8 février Jovenel pas président encore Kounier a bien l'autre président est-ce que l'autre président ça a cap monté avec une équipe et comme quantité monde qui mangeait dans l'argent. C'est de monde qui t'a fait politique. Qui que tu te mon qui va les pompes gasoline là j'ai fait. Pompes gasoline nous autres dans tout. Mais Kounia, est-ce que selon vous même j'ai par exemple jodi gouvernement qui n'a pas inspiré confiance parce que il y a trop monde dans celle qui mangeait cobla. Est-ce que l'autre gouvernement pour venir même groupe ça dans camp Jovenel Moïse par exemple pas pour dire pouvoir ça pas possible parce que lui même tout il y a monde dans celle qui mangeait l'argent. Gomba m'a dit que nous des considérations, c'est des considérations de nature idéaliste. Nous des considérations, c'est des considérations de diversion. C'est des considérations qui ont fait nous comprendre et qu'il ne faut pas se battre et que ces procès-là ne peuvent pas se réaliser. C'est ça qui a fait mettre en tête nous. Alors, Bando, lors de mon conseil, c'est monde qui l'en opposition, qui était impliqué et l'en manger l'argent Petro-Caribéen. Mais pas de monde qui l'en opposition qui part en corruption. Pas de monde qui l'en opposition pas de impliqué l'en manger l'argent Petro-Caribéen. Mais quand pile le monde qui connaît qui parle de là, monde qui pas jamais impliqué l'en voler l'argent Petro-Caribéen. Et bien monde ça y a toujours là pour bataille, pour accélérer la marche du dossier Petro-Caribé. Moi, j'ai des considérations pour les rites là-dedans. J'ai des considérations. Bon, bah, vous nous connaissez tout. Bon, bah, vous nous comprendre. C'est qu'on a là, on a parlé de dilapidation des milliards de dollars. Quand par exemple, nous avons très intéressant. Nous parlons de Maître Gabi Blaise qui parle intervenu. Donc, à partir de 3h. Olson, il semblerait que tu aies gagné un lot. Nous devons inviter. Ok. Oui, nous devons inviter. Ça va dépendre de 20 minutes liées. Combien de temps? Oui, combien de temps? Regardez combien de temps lié Olson okay. Affaire. Regardez, nous parlons bien, maître. Comme il a dit, son talk show n'a pas fait. Exactement, maître Maisonneuve. Bon, moi-même, pas à me dire l'essentiel. Mm-hmm. Ok, est-ce que vous pouvez aller ou bien on va participer dans le débat puisque nous parlons bien, maître Gabi Blaise. Bon, et est-ce que les gens sont pas dérangés? Non, je crois pas. Monsieur son intellectuel, son équipe n'a pas de problème, non? Vous connaissez au cap? Non, maître Gabi Blaise n'a pas de problème. Je prends le point de lit, donc son équipe qui a un esprit ouvert, il n'y a pas de problème ça. Ça qui arrive que d'ailleurs son équipe qui est en contradiction, ça qui arrive que quelqu'un de l'idée là où il ne doit pas d'accord, et puis quelqu'un de l'idée où il ne doit pas d'accord tout, bon, il n'y a pas de problème ça. C'est ok. Voilà.
Ok, Maître Guerre Biblaise, bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui là dans l'émission Haïti Débat, côté que nous allons échanger autour de décision ça, ordonnance que Maître Aximé Ramoncite Ren. Et peut-être que, comme vous voyez, que vous sont là qui toujours à veiller en ensemble de décisions qu'a prend qui a à voir avec droit dans le pays d'Haïti, surtout en droit pénal. M'a parlé que vous sont doctorant en droit pénal en France. Donc, qui gens ou même ou comprend l'ensemble de décisions qui a prend dans le pays, surtout décision Maître Ramoncite Aximé concernant question dossier Petro-Caribé. Moi salue campagne, moi salue Marco, moi salue dans le studio, moi salue Val, moi salue d'abord, comme salue GPPC, et moi salue toute auditrice et auditeur, que Radio Sago, tout Radio Sago, qui vont écouter national et international, et on va permettre quand même que j'ai un mot spécial pour toute population qui n'a pas tiré dans la zone. Martissant, Fontamara et même Carrefour, Delma 2, Delma 6, c'est ainsi nous voyons que la situation est très difficile pour c'est le monde qui est dans une zone défavorisée. Avec un mot spécial quand même pour un pile entrepreneur qui fait objet de série de pertes qui est assez importante et avec une salutation spéciale pour le monde quoi de bouquet, particulièrement le monde Santoyo. Effectivement, c'est un plaisir pour moi capable d'intervenir, mais dans le sens que je vais faire un petit rigolé, m'espérer que je vais interpréter l'intervention comme une menace. Pour juge, en tout cas, pour avancer, Aximé, c'est un proche, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, on se sympathise. Je me souhaitais que pour juge avancer, Aximé, mon frère, pour ne pas interpréter comme une menace, et j'ai qu'on a interprété l'intervention comme menace à l'encontre de plusieurs juristes en Haïti. Bien, eh bien, en allant, Maître Gabi Blaise. Non. D'accord. Maintenant, effectivement, c'est un dossier qui est intéressé à double intérêt. Double intérêt, le premier intérêt, c'est que c'est moi qui ai rédigé personnellement, exclusivement, le dossier de Petro-Caribé. Bon, actuellement, qui mutait en affaire. Parce que dès lors que le dossier en matière pénale, le dossier a dit non devant la justice, ça n'est pas un dossier encore, c'est une affaire. Maintenant, l'affaire Petro-Caribé, il est intéressé sous en ça parce que c'est moi qui ai rédigé plainte-là. Donc, moi, contre ça que la donne, je passe des nuits blanches la donne sur l'instigation de l'ancien Premier ministre Jean-Luc Séa qui a manifesté son volonté politique en fonction de toute façon, il n'y a pas de choix, en fonction de demandes de la population sous l'édition des comptes. Deuxième intérêt, c'est que lui consistait, parce que moi, c'est un citoyen. Pays, parce que la justice paye une fois l'intéressé, et donc on est très bien que ou ces juristes, Val, ces juristes, Marco, les conculture.